Non mais je l'ai mauvaise hein, depuis tout à l'heure, parce que la gamine avec son trou dans la terre là, elle m'a bien couru sur le haricot là. Enfin, un trou dans la terre, Naméo, mais vous avez déjà essayé d'en faire un, vous, de trou dans la terre? Parce que je suis sûr que vous êtes même pas capable de dépasser le mètre dans le fond de votre jardin, hein. C'est physique, puis en plus, au bout d'un moment, c'est dur, quoi. Enfin, comment? Le forage HT3 en Russie? Oh non mais les gars, mais laissez-moi rire, mais ils ont même pas creusé 15 km, les Russes. Le rayon de la Terre, c'est 6300 km, hein. C'est quoi, ça, 15 km par rapport à ça, hein? Bah, je vous le dis, moi, 15 km, c'est peanuts, hein. C'est une égratignure sur une coquille d'œuf, mon bon monsieur. Mais si vous voulez, allons-y, partons dans vos délires. Imaginons qu'une andouille creuse un trou dans la terre d'un pôle à l'autre, puis observons un peu ce qui se passerait. Ah, vous allez faire moins les malins, là. Tiens. Allô, monsieur le président? Ouais, c'est Roger. Bah, Roger? Le cantonnier? Bah, c'était pour vous prévenir, monsieur le président, que le trou, il est terminé, là. Comment ça, vous êtes au courant? Ah ouais, les réseaux sociaux, hein. Faut dire aussi que ça n'existait pas quand on a commencé à creuser il y a 42 ans. Quoi? Ouais, ouais. Faut voir, je vais voir. Ouais, il faut que je pense à descendre du pain. Ouais. Un pack d'eau peut-être. Je sais pas s'il en reste. C'est toujours con de descendre des mains vides. Il y en a marre de ces marches. Si seulement on avait le budget pour l'escalator. C'est vrai que ça en fait du monde ici. J'espère que les talus sont suffisamment renforcés. La dernière chose dont j'ai envie, c'est un procès pour malfaçon. Allô, ouais? Ouais, monsieur le président? Ah non, ça doit pas être de ce côté parce que j'y suis et j'ai vu personne qui se... Ah. Ah maintenant je vais. Je retourne. Eh bé. Ah bah effectivement, bah je viens de le voir. Il y a bien quelqu'un qui a sauté dans le trou de l'autre côté. Il vient de passer là, mais bah, on dirait qu'il est reparti. Bon, je sais pas, je dirais quelque chose entre 38 et 42 minutes, enfin, selon les scientifiques, j'entends. Ok, et donc, une fois qu'il est de l'autre côté, vous comptez l'attraper comment? Parce que je me souviens plus de ce qu'on avait dit. Ah, non, ça, il n'y a rien qui va l'empêcher de repartir une fois arrivé de l'autre côté. On avait demandé des filets dès le début des travaux, mais je vous rappelle qu'il n'y avait pas le budget pour ça. Tout de suite, c'est parce que je donne pas assez de budget. Oui, c'est super. Mais vous avez pensé peut-être à être plus efficace? Ouais, c'est là qu'on se dit qu'on aurait peut-être dû dépenser moins d'argent pour l'isolation en laine de verre. Parce que là, niveau déperdition thermique, on est quand même pas très très bon, monsieur. Hein. Du G ou du F, je dirais. Ok, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait alors de ça là? Ah bah non, j'ai pas de solution. Hein. Mais si vous voulez, avec le bois qui me reste, je peux vous faire un beau panneau. Un panneau, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec un panneau? C'est pas possible. Vous comptez faire quoi? Un panneau, c'est quoi? C'est pour qu'il se cogne dedans et qu'il s'assomme? Ça va rien changer, il va quand même retomber de l'autre côté, c'est complètement con. Bah, un panneau qui dirait X jours depuis le dernier saut. Mais, si vous voyez ce que je veux dire. Roger, c'est encore con, ça va encore plus inciter les gens à sauter dans le trou. Mais après, s'ils sautent, on peut plus les rattraper. Ils font wing, wing, wing comme des espèces de yo-yo pour tout l'univers. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils soient complètement désintégrés par les passages. Parce que ça m'étonnerait qu'ils puissent tenir très longtemps comme ça. Non, Roger, est-ce que vous trouvez pas que c'est un peu con comme panneau? Ah bah non, c'est sûr que c'est pas ça qui va empêcher les gens de sauter, mais enfin, il va bien falloir apprendre à vivre avec, hein. Ouais, enfin, comme le Covid, oui, il faut qu'on apprenne à vivre avec tous les problèmes, oui, ça c'est sûr, oui. Pourquoi chercher des solutions alors qu'on peut juste laisser tout le monde mourir, effectivement, c'est... Au fait, pendant que je vous ai, monsieur le président, je voulais vous demander, ouais. On fait quoi avec la Terre? La Terre, bah, et qu'est-ce que vous faites de la Terre? Bah, on vit dessus, espèce de dribble imbécile, vous êtes... Bah, à la terre du déblai, non, parce que on en a retiré des mètres cubes avec l'équipe, hein, et pour l'instant, c'est stocké dans des bennes des camions, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on va pas la garder pour nous, hein, on va pas faire des montagnes. On a d'autres chantiers en attente, vous comprenez? Moi, j'ai que 42 ans de cotisation, je peux pas partir en retraite comme ça. Attendez, c'est stocké dans combien de camions? Oh, bah là, je peux pas les compter, hein, monsieur. Mais plusieurs millions à vue d'œil, je dirais. Combien? Oh, bah là, c'est sûr que ça va chiffrer, hein, monsieur, surtout au prix de l'essence. C'est pas de l'électrique, hein. Ça, c'est du camion qui est là depuis 40 ans. Ça roule à l'essence, la vraie. Au super.
Faudra sans doute changer quelques batteries au passage. Et par contre, j'ai une idée qui vient de m'arriver là d'un coup. Si vous ouvrez deux boutiques, bah, y a moyen de rentrer dans vos frais, hein. Peut-être même faire un petit bénéfice. Ah, vous pensez qu'on peut faire un bénéfice là? Bah, ça tombe bien parce que j'avais aucune idée de quoi faire avec ce projet au final. Bah, une de chaque côté de la planète. Déjà, vous faites payer le saut, plutôt que ça soit gratuit. Et ensuite, vous pouvez louer des combinaisons résistantes à la chaleur, à la pression et qui évitent de se râper sur les bords. En plus, ça évitera d'abîmer le Béatrice et notre isolant. Je suis sûr que ce sera rentable en un rien de temps. Non, puis franchement, ce serait pratique pour ceux qui passent après, parce que là, le dernier qui vient de sauter, je vous raconte pas l'odeur. Hein. On est entre le caramel raté et le cochon grillé. Alors, moi, ce que je me demande surtout avec cette histoire, c'est pourquoi on n'y a pas pensé avant. Je veux dire, pourquoi on n'a pas pensé avant à faire sauter les gens et leur faire payer en plus. Bah, j'en sais rien, je dis ça comme ça, hein. C'est juste une idée, mais je suis pas présent, moi. Hein. Enfin, si, mais d'un club de belote. C'est des responsabilités aussi, remarquez, hein. Et des belles rencontres, mais enfin, ça, vous connaissez. Mais moi aussi, je joue à la belote, Roger, mais j'en parle pas à toutes les occasions, c'est pas possible. Revenez sur ce qu'on disait. Comment on coordonne les deux côtés de la planète? Bah, non, ça, j'en sais rien. Bah, s'il sautait pile en même temps de chaque côté, il se percuterait pile au centre de la Terre à 20 000 km/h. Une belle purée, si vous voulez, mon avis. À moins qu'il ne réussisse à s'éviter, mais à cette vitesse, faut être plus à l'aise qu'un escargot en saut hauteur, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, attendez, on dirait qu'il y en a un qui vient de sauter là. Je sais pas pourquoi, mais il s'est déguisé en tartine, le mec. Il doit être complètement beurré. Il faut pas le laisser sauter, faut prendre une photo et le faire payer là-bas. Ah bah non, là, je peux plus rien faire, il vient juste de sauter, le gars. Roger, je suis sur Twitter là, et je suis en train de voir un live stream. Quoi? Une vidéo en live? Déguisée en chat. Quoi, qui vient sauter dans le trou. Une là. Femme déguisée en chat? Est-ce que vous de l'autre côté de la planète? En même moment? Ah, bah, au moins vous allez avoir la réponse à votre question. Hein. C'est super ça, non? Vous pensez dans combien de temps? Dans combien de temps? Bon, je dirais dans 19 à 21 minutes, selon les scientifiques. Et 19 ou 21 minutes plus tard, selon les scientifiques. Voilà! Et la Terre éclata! Comme vous le voyez, il est important de réfléchir aux conséquences de nos actions avant de les entreprendre. Même si une idée peut vous sembler amusante au premier abord, comme créer un trou géant entre les pôles de votre planète, cela peut avoir des conséquences graves et imprévues. Dans cette histoire, les deux personnages déguisés en tartine beurrée et en chat ont créé un paradoxe et ont entraîné la destruction de la planète. Cela montre l'importance de prendre en compte les répercussions de nos actions sur notre environnement et sur les autres. Et de ne pas faire quelque chose simplement parce que cela nous semble amusant ou drôle sur le moment. Alors, réfléchissez bien avant de faire des blagues sur Internet, les enfants. Hein ? Parce que de mon temps, on avait une orange à Noël. Et on était déjà très contents. Les papillotes, c'est arrivé bien plus tard. Et même qu'à l'époque, on avait des petits pétards dans les papillotes. Et c'est interdit maintenant. C'est dommage parce que c'est pas...